Je sais que ça n'est pas facile. Il va falloir faire aussi bien qu'Emma et Patrick Poivre d'Arvor. Voici Laurence Boccolini et Arthur. Comment ça va? Très bien. Ça va, ça va. Entre nous, est-ce que vous auriez pu répondre à toutes les questions de Patrick Poivre d'Arvor? Ah et de... si, la mort. Oh, hein? même celle qui a posé, même celle-là. Oui, oui, celle-là, je savais. Bon. Donc, il va falloir faire mieux sans aucune difficulté. C'est plus que c'était, hein, quand même, Patrick Poivre d'Arvor. Non, oui. Voilà, et dire qu'il présente le journal de 20 heures. Mesdames, messieurs, voici Arthur et Laurence pour Qui veut gagner des millions. En pleine forme. Puis on est sûr de faire mieux qu'avec son ex, là, Elise Moon. Évidemment. Elise Moon, c'est pour tout à l'heure, hein, bien entendu, oui, c'est tout oui, de suite mais après ça vous. Ça n'a aucun intérêt. Oui, elle la retrouve. Bon. Elle est comme elle est épanouie depuis qu'elle est avec moi. Comment ça se passe, Elise? Attention, oh, attention. C'est pour tout de suite. Comment? Parce que. Mettez-vous dedans pour qu'on vous voit. On n'est pas encore, elle et moi, on n'est pas encore divorcés. D'accord, c'est très bien. Mais regarde comme elle est belle. Non, c'est ridicule. Moi, je vais faire du. Je vais faire du cigare. Je t'interdis de la toucher, s'il te plaît. T'en as fait n'importe quoi. Ça, c'est quoi? S'il te plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît, Elise. Ah là 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 là. Tu comprends pourquoi j'ai divorcé? Ah mais je comprends. Mais alors, je n'en peux plus. Excuse-moi, mon amour. Souffrance en permanence. Je suis désolé, Jean-Pierre, pour cette scène. Non, mais je sais, d'hystérie de Monsieur Simon. J'en ai fait une princesse. Voilà. Regardez. Ce chemisier country. Voilà. Country. Brodément. Regardez ces bijoux. Une princesse. Ah là 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 là. Qu'est-ce qu'ils s'aiment. Mais c'est beau de voir ça. La pyramide des gains. Silence. C'est du passé. Alors, voici qu'est-ce que tu as s'il vous plaît. Oh, c'est dur. Pas de problème personnel au sein de cette émission, s'il vous plaît. D'accord, c'est fini. Trois jokers, 50-50, coup de filet, un ami, le vote du public. Voilà. Pour Reporters sans frontières. Ah oui. Avec Laurence et Arthur. Voici qui veut gagner des millions. Première question pour 200 euros. Selon une croyance populaire, cela vous portera chance de toucher le pompon rouge d'un coiffeur, d'un cuisinier, d'un matelot, d'un animateur. Attention. Je peux toucher votre pompon. Oui, vous avez un autre à côté de vous. Un petit pompon. Oh, bah, dites donc, je vous en prie. Bon, attends. Il y a peut-être un piège. D'abord, il faut bien expliquer aux téléspectateurs qu'il y a une vraie pression sur ce plateau, qu'il y a une angoisse et que des fois on se trompe, on ne fait pas exprès. Oui. Parce qu'après, on se fait charrier pendant des mois avec votre jeu, là. Hein. Des années, voire, oui. Moi, le pic du goûter, j'en entends encore parler. Je vous jure. Et des fois, la nuit, elle se réveille. Ah, pic du goûter. Arrête, pas d'histoire personnelle. Alors, vas-y, je dirais réponse C d'un matelot. Est-ce que ça vous est arrivé vous-même de toucher le pompon? Tous les soirs. Ouais, merci, chérie. Dès que je peux, dès que j'en vois, hop, je touche le pompon. Et vous-même? Oh, ben moi, c'est plus des pompons à ce niveau-là. Hein. Bonne réponse, en effet, pardon. Deuxième question pour 300 euros, la voici. Allez, à l'attaque. Généralement, que nous arrive-t-il lorsque nous épluchons un oignon? Attention. On s'endort. On pleure, on transpire. Ah oui, aussi. On louche. Si on l'épluche très vite, on peut transpirer. Alors, attention à ce que tu dis. Bah oui. Alors, réponse B, on pleure. Bien sûr. Excellente réponse. Excellente. Bravo. Question 3 pour 500 euros. Chez lequel de ces animaux, la queue, est-elle la partie la plus appréciée des gourmets? Vous avez remarqué qu'on fait des questions sur mesure pour vous. Ouais, ouais, ouais. Ah bon, pourquoi? Pour rien, le cheval. Ah, ça, c'est... La pie. Oh, bien sûr. L'écrevisse. Bien sûr. La palourde. C'est ça, oui, bien sûr. Bien sûr. La queue de la... T'as déjà mangé des queues de palourde, c'est bon? Non. Et des queues de cheval? Non plus, moi, je mange cachère, vous savez, Jean-Pierre. Ah oui, pardon. Attention. C'est pas cachère, la palourde? La palourde, non. La lourde, oui, mais la palourde, non. La pie, non plus. D'accord. L'écrevisse, on y va? Oui, je pense. Alors, réponse C, l'écrevisse. Très bonne réponse. Bien. Question 4 pour 800 euros. C'est bien. Mais qu'est-ce que c'est que ce Beans? Qu'est-ce que c'est Beans? C'est une fameuse réplique d'un film. Le film de
les visiteurs, deux renoirs. Non, c'est pas ça du tout. Les sept mercenaires, les oiseaux, les dents de la mer. Dans les sept mercenaires, quand il dit sur son cheval, qu'est-ce que c'est que ce Beans? What is it, that Beans? What is it, that Beans? Yes. C'est mal doublé, mais c'était un peu ça. Christian Clavier. C'est Christian Clavier dans Visiteur Réponse A. Eh bien, bien sûr, bon endroit. Premier palier, 1500 euros. Voici la question. La chanson de Barbara L'Aigle Noir commence par « Un beau jour ou peut-être au paradis, toute la vie, un mardi, une nuit. » Tu te souviens de notre chanson? Commence pas, je t'en supplie. Hein. C'est notre chanson. Alors, c'est votre chanson. Hein. C'est réponse de D, une nuit. Un beau jour ou peut-être la nuit. Surgit un aigle noir. Non, pas tout de suite, pas tout de suite. Et finit dans ton lit. Il n'arrive pas tout de suite, l'aigle noir. Ah non, il y a le ton, il y a le rythme. Non, c'est parfait, c'est parfait, parfait. Excellente réponse, c'est premier palier latin. Dans le lac, je m'étais endormi. Elle est là, l'arnaque. Les premières questions, c'est pour les enfants de 8 ans. Là, maintenant, là, ça va être des trucs compliqués. Voilà, ça y est, oui, pour enfants de 10 ans maintenant. Question 6 pour 3000 euros. Quel héros de série télévisée porte souvent des costumes de Pierre Cardin? John Steed. Oui, mais c'est un... James West. John... Arrête! Tu me fais tout. Charles Ingalls. Oh, oui. Don Diego de la Vega. Oui, oui. Oh, Charles Ingalls en Pierre Cardin. Ah ouais. Charles Ingalls, c'est celui qui coupe du bois. Ouais, il avait une chemise à carreaux en molleton de Pierre Cardin. C'est pas Charles Ingalls, c'est pas Zorro. Bah, c'est pas James West non plus, sinon, à moins que Pierre Cardin ait fait des trucs avec des petits. Ah, bah ça, c'est des pas. Des trucs cow-boys, des trucs country. À moins que, je ne sais pas. Maintenant, en vêtements, vous l'avez vu, c'est elle qui décide. Hein. Ah oui, c'est ça, oui. Oui, malheureusement. Alors, c'est. On m'a forcé à porter ça. Je dirais. C'est très sympa. Qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu en penses? De ta tenue? Non, de ça. Ah je tu l'as dit, il a pour ma tenue, c'est bon. Je pense que. Je dirais John Steed. Je dirais John Steed aussi. Mais, je dirais John Steed. Est-ce que c'est votre dernier mot? J'ai l'impression. Mais pourquoi on ne nous a pas demandé déjà tout à l'heure? Parce que pour les 5 premières, je vous en fais grâce. Ah. Ah bon? C'est pas parce qu'il y a un piège. Ouais, John Steed. John Steed. Sur la vie des oiseaux, si on se trompe. Mais attends, pas ça. James West. À moi, Pierre c'est Cardin. C'est un cowboy. C'est zéro. John Steed. C'est notre dernier mot. Ça commence ces difficultés. C'est toi qui l'as dit. Hein. Ouais, ça commence. Mais c'est quand même vous qui l'avez validé, Arthur. Oui, je valide tout. Moi, je valide. La réponse est John Steed. Bonne réponse. Ouais. Bravo. Chapeau melon, bonne tête. Facile. Pour l'instant, c'est parfait. Aucun joker d'utiliser. Voici la question 7 pour 6 000 euros. Non, je sais pas. Eh bien, je te sens stressé. Tiens, regarde ça. En compétition officielle d'athlétisme, quel objet lance-t-on avec les deux mains? J'en ai fait. Ah, je vais vous le dire, ce qu'on lance avec les deux mains. Le javelot. Qu'est-ce que tu as fait en athlétisme? Le poids. Le marteau. Oula. Le disque. Le disque, bon, non. Non. Le poids, c'est à l'épaule. Le javelot, c'est une main. C'est le marteau, c'est les deux. C'est le comme ça. C'est les deux. Vous avez fait du lancement de marteau? Oh, mais alors? Mais de ce corps d'albâtre? Vous croyez que j'ai eu à la salle de gym? J'essaie de lancer du marteau, monsieur. Vous voulez me la vexer? Alors. Non, pas de discutez-moi. Hein, vous voulez me la vexer? Excusez-moi, je retire ce que j'ai dit. Si elle dit. Qu'est-ce que ça dit? Le marteau. Si elle dit marteau, c'est le marteau. C'est le truc avec la ficelle. C'est la ficelle, oui, c'est ça. Il faut voir ce qu'elle lance le marteau. Ah là. C'est votre dernier mot? Oui, c'est le dernier mot. On n'en aura pas d'autres parce que c'est la bonne réponse. On lance avec les deux mains le marteau. Bonne réponse. Très fort. Jusqu'à 48 000 euros, j'embrasse sur la joue. Ah là, après, oula. Oh là là, pas de ça ici. Hein. Pas et au million, je la flirte en direct. Attends, je ne suis pas divorcé encore. Vivement le million. On va pas se laisser embêter par le petit furet. Question 8 à 12 000 euros. Comment le premier bébé éprouvette se prénomme-t-il? Je n'étais pas née en 82, non, je me souviens. Laura. Oh non. Amandine. Oh oui. Mélissa. Oh non. Diamantine. Oh non, la réponse B. Je peux le dire ou pas? Attends. Parce que tu sais, c'est... Tu dis ou pas? Parce que tu vas dire une bêtise, après on va t'embêter, tu vas pleurer, tu vas le regretter. Voilà.
On n'aura plus de boulot. Quoi. Comme vous avez pu le constater, à la maison, c'est moi l'homme. Hein. Mais bien sûr, bien sûr. Mais c'était pareil avec Ellie, hein, je signale. Ouais, mon frère. Tu aimes ça. Mon pauvre Arthur. Montre les bijoux à la caméra, voilà. Montre. Attends, c'est vrai. Ah, c'est bien. Faut encore 6 mois pour les rembourser. À vous quand vous offrez, oui, c'est bien. Alors, moi, quand... alors on y va ou on y... Vous quand vous aimez, c'est... Oui, alors... Oui, parce qu'il te le demande. Il va ou pas? Moi, je fais confiance à ma future femme. D'accord, alors c'est la réponse B, Amandine. Est-ce que c'est votre dernier mot? Oui, Jean-Pierre. Il y a quand même de l'argent en jeu. Ça y est, c'est fait. C'est trop tard. Il joue à la caméra, voilà. Montre. Attends, c'est vrai. Faut encore 6 mois pour les rembourser. À vous quand vous offrez, oui, c'est bien. Alors, moi, quand... alors on y va ou on y... Vous quand vous aimez, c'est... Oui, alors... Oui, parce qu'il te le demande. Il va ou pas? Moi, je fais confiance à ma future D'accord, femme. Alors c'est la réponse B, Amandine. Est-ce que c'est votre dernier... Professeur Friedman et le biologiste Jacques Testard, qui sont à l'origine de la naissance d'Amandine. Vous avez 12 000 euros, vous êtes excellent candidat. Ah oui. Attends. Question 9 pour 24 000 euros. Ah, combien de doigts la souris de Mickey possède-t-elle à chaque main? 3, 4, 5, 6. À chaque main, hein, pas les deux. Bien entendu. Non. Bon, 3, non, ça ferait bizarre comme ça. C'est 4. 6. Moi, je dirais 4. Moi aussi, je dirais 4. Ça fait... Ça va. 3, ça va pas. 3, ça fait moyen. 4. 4, ouais, moi, je suis sur 4. Hein. Allez. Non, 6, attends, tu rigoles. C'est ridicule. Que vous il lui manque un doigt. À chaque main. Le truc, c'est 4, il a un doigt de moins. Il a un doigt de moins. Il a des gros doigts avec des gants. Ouais. Ah, bah. Qu'est-ce qu'il y a dans le gant? Il y en a 4. Allez, 4. 4. C'est votre dernier mot? Ouais. Enfin, tu sais pas. Moi, je dis oui, mais réponse B. 4, quoi. Ça serait ridicule de perdre sur Mickey. Oui. Franchement, attendez, là, ça serait attendez. Ridicule. Mais alors, j'allais vous le dire. C'est marrant. Vous pensez, j'allais exactement vous dire la même chose. Et moi ici. Après, dans la rue, eux, regarde, ils ont perdu sur les doigts de Mickey. Ça, c'est nul. Oh boy. Tu connais la chanson du Mickey? Et moi ici, qui est moi? M-O-U-S-I. Mickey. Ça, c'est de la culture. Au fait, combien Mickey a de doigts à chaque main? Oui, tiens, on vous le demande. Ouais. Si on vous le demandait, vous répondriez quoi? Moi, je répondrais. 4, bonne réponse. Là, on a gagné 24 000. On les a, là, les 24 000, là. 24 000, c'est sûr. D'accord, oh là 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 là. C'est sûr. 48 000 maintenant, oui. Ce serait le deuxième panier incompressible, ça serait vraiment bien. Vous êtes au courant qu'on va vous prendre un million? Vous avez ici. Prévenu les tiens, gens de l'émission? Tiens, voilà, tiens, tu vois, c'est une question pour toi, toi, qui es un sur le tableau de Jean-Louis David, enfin de David. Le coiffeur voilà, voyez, qui joue? Le coiffeur? Il y fait des tableaux, le coiffeur tableau, ouais. C'est Jacques-Louis ça David. Ça marche plus pour lui, alors, la coiffure. Jean-Louis, c'est le coiffeur. Jacques-Louis, c'est David. Marat, oh là là! Moi, je sais, je sur le tableau de David, Marat assassiné. Que tient Marat dans sa main gauche? Écoute, moi, je l'ai vu en... Une lettre. Ah, ouais. Un livre. Une bougie, un encrier. C'est la réponse. Je peux le dire ou tu le sais, quoi? Franchement, je ne sais pas du tout. Bah, dans la main droite, il est dans la baignoire, il tient une plume. Et la main gauche est, est hors baignoire. Et là, la lettre qu'il est en train d'écrire. Charlotte Corday ayant assassiné pendant qu'il est en train d'écrire la lettre. Alors vraiment, cette Charlotte, elle m'a beaucoup déçu. Hein. Donc c'est la A, c'est réponse A. Sans joker. Sans joker. Bon. Quoi bon? Non, je sais pas, je demande. On n'a rien fait, on n'a rien validé. Votre avis, Arthur? Moi, personnellement... Fais-moi confiance. Hein, je le vois mal avoir une plume et une bougie. Oui, une bougie. Surtout dans la baignoire. Bien sûr. Quand même, franchement. Parce que moi, je suis allé au musée Grévin. Ah, bien. Il y a la scène, il y avait la scène. Oui. Dans la cave. Oh, un livre non plus, il n'écrit pas sur un livre. Moi, je dirais une lettre. Et maintenant, à qui la lettre? À ça, Tata? Tata Rachel. Tata Rachel. Bien sûr. Comment va-t-elle, au fait? Elle va très bien. Elle va bien, Tata Rachel. On l'a vu, hein? Elle nous prépare des dragées pour le mariage. Bon, ça va être quelque chose. Ça va être un mariage, alors, à tout casser. Hein. Je vous jure, ah oui, hein. Alors, franchement, pas de joker? Bah non. Enfin, non. Non, moi, je... Enfin, tu veux un joker? C'est votre dernier mot? Attends. Jean-Pierre, s'il vous plaît. Si on perd, on a gagné combien? Rien. Rien, bah non, rien. Enfin, rien, on a répondu à 60 euros. Questions. 1500 euros, quoi, c'est symbolique. En revanche, si vous gagnez, vous gagnez 48 000. Moi, je dirais une lettre.
1 500 euros, ça peut nous suivre en bêtisier 10 ans, un truc comme ça. Hein. Minimum 10 ans. Ça te fait du biscuit pour tes émissions, c'est pas grave. Oui, non, mais ça toujours. Une fois par an, je reçois Jean-Pierre et hop, on ressort les images. Mais là... Ça sera avec toi pour une fois, pour changer. Moi, si j'écris un livre, je meurs dans ma baignoire. Ouais. Il écrivait une lettre, il y avait quoi sur cette lettre? On va voir si tu peux. Il y avait Tata Rachel, est-ce que tu peux préparer des trucs pour dimanche, pour samedi prochain? Une lettre, voilà. Une lettre. C'est une lettre, c'est réponse A. Une lettre, c'est votre dernier mot. Il faut aussi utiliser son intuition. Oh, mais oui. Je me souviens, au musée Grévin, il y a la scène. Oui, hein. D'accord. Mais... Et qu'est-ce qu'il y a au musée Grévin? Vous y êtes aussi, je vous ai vu au musée Grévin. Mais pas en statue. Moi en plus, mais pas en statue. Ah bon? Moi, j'avais pas assez de cire. Ouais. Non, arrête. Alors, on y va, allez, réponse y va, A, sans, fout, sans une lettre. C'est votre dernier mot? Oui. Ouais. Quoi? Pou. Non, si c'est pas ça, alors là, on refait. Hein. On coupe, après, on coupe, on fait. On coupe, je repose la question. Non, on n'est pas en direct. De toute façon, c'est pas, on ne peut pas faire pire que PPD. Oui, alors, bien entendu. Allons-y. Et puis le roulement de tambour, là, ça suffit, ce roulement de tambour, parce que les gens savent pas, on le sent bien, hein, on vibre de partout. Hein. J'ai l'impression que j'ai les enceintes sous le fauteuil, moi, depuis tout à l'heure. C'est pour ça que je reviens. Mais, non, mais regarde, ce roulement de tambour, on va assassiner quelqu'un ou quoi? Sur le tableau de David, Marat assassiné. Marat dans sa main gauche, Laurence, Arthur. Quoi? Tiens, une lettre. Yes. Vous avez choisi de mon parti pour vous marier, elle est formidable. Mais elle est cultivée, puis elle est riche. Elle est cultivée, tout. Il y a le ménage aussi. Oui, il y a plein de choses qu'elle fait bien, Jean-Pierre. Ah oui, ah oui. Ah. Dis donc, écoute, ça sera peut-être le fruit d'une question. Pas devant Élie. Alors, allons-y. Vous avez 48 000 euros. Il vous reste 5 questions et 3 jokers. Configuration absolument excellente. Vous avez prévenu qu'on va prendre 1 million parce qu'il faut qu'on... Dis pas ça, on va se planter maintenant. Il y a le camion blindé qui arrive avec les sous. Ils sont en train de changer les questions, tu sais qu'ils sont en train de changer les questions. Ils sont trop forts. C'est en train de nous mettre des questions plus dures. Parce qu'ils ont compris qu'on allait prendre le million. La voici, celle qui est difficile, elle vaut 72 000 euros. Complétez cette chanson de Zizi Jeanmaire. Mon truc en plume de panthère. Si légendaire. De l'après-guerre. De caractère. À milliardaire. Ah bah oui, ah bah oui. Mon truc en plume de panthère, si légendaire. Je pense que... Attends, je pense que c'est... Un milliardaire. Si légendaire, ça m'étonnerait. Un milliardaire, je pense que ça irait plus à milliardaire. Mon truc en plume de panthère. Moi, je chante une autre air en plus depuis tout à l'heure. Je chante les Brigades du Trique. Ça n'a rien à voir. Hein. Enfin bon. Deux caractères. Moi, j'hésite entre deux caractères ou un milliardaire. Il faudrait prendre, là, je pense qu'il faut prendre un 50-50. Prenez le 50-50, peut-être. C'est peut-être 50-50. Ça, alors ça, je me méfie sur le 50-50. Oui, d'accord, mais... Parce qu'ils vont nous laisser les deux qu'on veut. Oui, je sais. On hésite entre deux caractères et un milliardaire, et ils vont nous mettre les deux. Non, attends, est-ce que tu veux qu'on veut le vote du public? Non, on a compris votre petit malaise, Jean-Pierre. C'est prévu avant, ça. Tu veux le vote du public ou tu préfères le 50-50? Comment vous vous sentez, public? On ne demande rien au public. Vote du public. Vote du public, alors. Public à votre télécommande, s'il vous plaît. Très bien, si c'est pas la bonne... Voulez-vous compléter cette chanson de Zizi Jeanmaire? Mon truc en plume, plume de panthère, A, si légendaire, B, de l'après-guerre, C, de caractère, D, un milliardaire. Vous votez maintenant, s'il vous plaît. Merci. La vache. Et si on paume, on a quoi? On retombe à... On bouge plus, on a 48 000. Ah oui, 48 000. Ah, on les a. Bien sûr. Là, on les a. Oula. Oh, bah, c'est sympa. Oh là là là. 46% de la milliardaire. Mon truc en plume de panthère. Milliardaire. Mais non, c'est nul. Mais si. De caractère. 31% de cas. Moi, je prendrais le 50-50 quand même. On vient de le faire, le 50-50. Mais non, tu viens faire le vote. Ça, c'est le public. On suit le public. Moi, je veux bien. Moi, je pense que c'est un milliardaire. Ça me dit quelque chose. Tu crois qu'il nous donnera un indice? Lui, rien, il s'en fout de nous, il nous regarde. Moi, je prendrais le 50-50. Bon, faites comme vous voulez. 50-50. Hein. Quand il dit de faire quelque chose. Voilà, prenons le 50. Non, attendez, je dis ça, vous faites comme vous voulez. On n'a plus qu'un joker après, Arthur. Hein, Arthur. Jean-Pierre, oui. S'il nous laisse la réponse C, la réponse D au 50-50, bah ouais, mais c'est ce qu'ils je trouverais ça inadmissible.
Alors il faudrait que vous nous laissiez 6 légendaires et 1 milliardaire. On peut prendre le risque de répondre à milliardaire, hein, c'est comme tu veux. Hein. Et après, ce sera de ma faute. Oui, mais bon. On n'aura plus qu'un joker après. Ouais, mais on aura un joker et on aura gagné 72 000. Alors prenons le 50-50, il a raison. Ordinateur. S'il nous laisse la C et la D, j'envoie une lettre à la direction de TF1. Ah non, pas ça, ah, pas ça. Et vous me connaissez, je suis très 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 capable. Tu vas voir qu'il va nous laisser... C'est pour nous narguer. Ordinateur, s'il vous plaît, voulez-vous retirer deux mauvaises réponses? C'est un mec qui est derrière l'ordinateur, oui. Ben voilà. Non, c'est inadmissible. C'est honteux. Franchement, moi, je suis d'accord avec vous, c'est honteux. C'est pas ça. D'autant que... Il y a pas la réponse. Il y a rien. Il y a même pas la réponse. Bon, allez, on se la joue, tant pis. Hein. Les choix de l'ordinateur sont faits avant l'enregistrement. Oui. La prochaine fois, je viens avec un huissier. Voilà, allez, un milliardaire. Bon, ben, milliardaire. Des plumes de panthère. Mon truc en plus. Deux plumes de panthère. Un milliardaire. En plus, mon joker, il n'y connaît rien en plumes. Attends, le public a dit milliardaire. Là, il nous a mis milliardaire. Bon. Voilà. Le public a dit milliardaire et c'est caractère à 31%. Vous faites comme vous voulez. C'est sympa, Jean-Pierre. Ça me fait plaisir. Au moment où on va dire milliardaire, vous nous glissez un petit caractère. Ah non, je dis rien du tout. Il n'y en a pas un qui souffre, merci. C'est formellement interdit. Bah oui, bon, et de tricher comme ça, de me mettre caractère milliardaire, Bon, ben, milliardaire. Si on perd, je te reprends tous les bijoux et je les donne à l'association. Hein. D'accord. On fera une grande vente aux enchères des bijoux pour l'association. Allons-y. Alors ? Réponse D. C'est votre... Yes, it is... Attends. Mais tu m'enlèves tout mon rouge à lèvres ! Mais il n'y en a pas. Oui, il y en a. Regarde, on a plein les mains. Allons-y, alors. Excusez-le. Hein. Allons-y. Est-ce que c'est votre dernier mot? De toute façon, on ne va pas finir à 2h du matin. Déjà qu'on a attrapé la grippe, là. Ouais, allons-y. Oh là là. Se planter sur la cuisine. On a perdu. Il manquera un animateur vivant sur la grille des programmes de TF1. Vous partez? Rechantez-moi le truc, parce que... Truc en plume, plume de panthère, un milliard de... Oui, c'est ça! Ça fait rêver, mais c'est sacré, faut pas toucher, oui! Bien joué! Mais il nous a fait jeter un joker par les fenêtres! Voilà! C'est pas bien, parce que nous, moi, j'avais dit, il faut faire confiance au public. Ouais, merci. En fait, vous faites pas confiance au public. Voici la question qui vaut 100 000 euros. Oh, voilà. On appelle... J'ai pris une question facile exprès. T'as raison. Raisin de mer, les œufs... Délice et de sèche, d'esturgeon, de sol. Oh là là. D'anguille, fastoche. Alors, attends. Faites semblant de réfléchir pour faire un peu de... Là, on a gagné 48 000 euros. Non, 72 000. Là, mais si on perd... Vous retombez à 48 000. Mais vous pouvez partir avec les 72 000. Alors, les œufs, les raisins de mer... Oui. C'est... Pour l'instant, je connais pas les œufs de sol. Je connais pas les œufs d'anguille. C'est ou esturgeon ou sèche. Les œufs d'esturgeon, c'est le caviar. Le caviar, c'est noir. Comme les raisins. Noir. Raisin de mer, attends. Mais sèche, ça donne des œufs aussi, puisqu'en Corse, on en mange les œufs de liche. Un truc comme ça. Non, c'est de liche, non, c'est pas de la sèche. Les œufs de sèche, ça fait des œufs, la sèche? Mais c'est tout sec. Ça fait de l'encre aussi, non? L'encre de sèche, exact. Donc. Là, il y a un piège, hein. Raisin de mer, et les raisins à la grappe. Sol, je savais même pas que la sole ça faisait des œufs, moi. Mais si, il y a parfois des sols, enfin bon. Et des œufs tout plats, des. Oui, des confettis. D'anguilles. Des œufs d'anguilles. Sérieux. Bon, on va appeler un jouker. Appelez quelqu'un. On appelle quelqu'un. Un spécialiste en œufs.
Vous devez avoir ça dans, dans vos amis. Dans vos amis, vous avez bien quelqu'un qui s'y connaisse en œufs. Oui. Moi, je sais pas. Hein, moi, j'avais une super liste de jokers au téléphone. Hein, des mecs super intelligents. Je vais les déranger pour des œufs de raisin de mer. Qui vous avez comme, comme joker? Oh, j'en ai plein. J'ai Michel Field, que je peux appeler. Michel Field en raisin de mer, c'est pas, il est passé pas là où il est en œuf, il est pas mal en œuf. Méfiez-vous. Oui. J'avais Jacques Chirac. Mais Jacques Chirac, non. C'était que pour les problèmes de politique. Oui, oui, bon, bon. Moi, j'ai un copain qui est assez encyclopédique, qui peut savoir des trucs comme ça. Un copain encyclopédique? Assez encyclopédique, oui. D'accord. De sol. Qui connaît bien les questions auxquelles personne n'a envie de répondre, surtout. Oui, ah ouais. Pour les dîners mondains. C'est... Oui, oui, c'est intéressant. Qui appelle-t-on? Attendez, on n'appelle pas. D'accord, on n'appelle pas. Attention, on n'appelle pas. Moi, je dirais les œufs de sol. On va appeler quelqu'un. Hein? Non, on va appeler quelqu'un. Je t'assure, c'est mieux pour nous deux. Hein? On prend un peu de distance. Alors, avec non, la j'ai question. Un type bien. J'ai Pierre au bureau. Qu'est-ce qu'il fait? Pierre est très très poisson. Non, les attends, il faut un mec qui est très encyclopédique. Très très, il en a plein. Moi, j'ai François qui sait bien aussi ce genre de truc où. Moi, je le sens bien, Pierre, parce que c'est quelqu'un. Il a réponse à toutes les questions qui servent à rien. Mais qu'est-ce qu'il fait dans la vie? Je comprends très mal ce que vous dites là, Arthur. Non, mais... Ça veut dire que ma question ne sert à rien. Non, mais c'est pas le genre de truc... Alors qu'elle vient parfaire notre culture personnelle. Bien entendu, mais c'est pas le genre de truc que vous dînez avec des copains. Alors, tu sais que les raisins de mer sont les œufs de sol. Oh, bah dites donc. Non, mais la sole, à mon avis, c'est pas ça. Hein. L'anguille non plus, hein. J'ai jamais entendu parler. Parce que l'esturgeon, c'est arnaque. Ça, c'est trop facile. Oui, mais pourquoi le caviar ne s'appellerait pas le raisin de mer? Parce que c'est pas du raisin, ça s'appelle du caviar. Non, mais pourquoi ça s'appelle... Mais t'as du caviar d'aubergine aussi, hein. Ouais. Pourquoi ça s'appellerait pas le raisin de mer et caviar, tu vois? Caviar, c'est peut-être le nom, un autre nom du raisin de mer. Bon, l'anguille, ça fait pas des œufs, les anguilles. Ça fait des petites anguilles. Ça fait des anguillettes. Et la sèche, c'est... Écoutez, j'ai bien suivi. Vous m'auriez posé une question sur le Mérou. Avec tout ce que j'ai regardé le commandant Cousteau, je vous aurais répondu tout de suite. Mais si Cousteau n'a pas parlé, c'est que ça n'a aucun intérêt. Bon alors, on y va? Lequel on prend comme Moi, j'appellerais bien Pierre. Tu es sûr de ton coup? Arrête de mettre la pression. Je pense que sur des questions comme ça, il peut avoir la réponse. Bon, bah vas-y. Attends. 72 000 euros, ça fait cher la sole. Hein. Ça fait cher l'œuf, ouais. Bon, alors... Écoute, on appelle et si on n'est pas... la réponse, on appelle celui de l'envoi. Non, c'est qu'un seul. Mais Jean-Pierre au montage... Il n'en est pas question. Appelons Pierre, tout de suite. Jean-Pierre... Pour cette question qui vaut 100 000 euros. Allô, Pierre. Allô, Pierre. Oui. Bonsoir, c'est Jean-Pierre Foucault, Arthur et Laurence Boccolini au téléphone. Bonsoir. Vous allez bien? Ça va, merci. Il paraît que vous savez tout sur les problèmes qui n'intéressent personne. Est-ce que c'est vrai? Tout à fait. Ah, on a frappé à la bonne porte. Hein. La question vaut 100 000 euros, Pierre. 100 000 euros, j'écoute. Attention, là voici, top. On appelle raisin de mer les œufs A de sèche, les œufs d'esturgeon B, C de sol ou d'anguille. De sèche. Les œufs de sèche. Pierre, écoute-moi bien. Tu es sûr? On appelle raisin de mer, œufs de sèche, d'esturgeon, de sol ou d'anguille. Non, c'est de sèche. Si c'est pas la bonne réponse, je te fais bouffer de la sèche pendant un an. Non, attends. Sèche. Attends, je réfléchis. La sèche. Non, c'est la sèche. Pierre. Ça peut pas être ça, oui. Ça peut pas être. Je t'ai toujours fait confiance. Oui, je sais la sèche, c'est la sèche. Même si je zombe. Bon bah, écoute. Hein. Et alors là... Si c'est la bonne réponse, non, alors mais, là... J'ai oublié de préciser que ce jeune homme s'emporte, des fois. Oui. Des fois, il est sûr, et puis c'est pas ça. Tu fais bien de nous le dire maintenant, hein. Ouais. Il faut faire confiance aux tierces personnes. De toute façon... On n'a pas fait confiance au public. Voilà, ça nous aura... bonne leçon, tiens, pour... Alors, faut toujours faire confiance à Pierre. Vous me dites. Sèche. Réponse A. Est-ce que c'est votre dernier mot? Bah oui, hein. On n'a pas le choix. Arthur. Ouais, c'est notre dernier mot, de toute façon, on a tout fait, on a plus de joker, on a plus rien, grave, on a les mains dans les poches. On a gagné quand même 48 000 euros, Pierre. Ouais, écoute, sinon 100 000. Ils vont peut-être pas nous en vouloir trop, reporter. C'est à cause d'un poisson, c'est pas con. Pas... C'est pas un poisson non plus, hein, ça, la sèche. Ouais, mais c'est dans ça l'eau. Ça ressemble. On appelle raisin de mer.
Oh, c'est l'heure de la pub. Oh, bah tiens. Ah, si, 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 regardez. Ah, si, regardez. Si. Nous allons embarquer une courte pause. Notez bien l'adresse de Reporters sans frontières. C'est honteux. Et tout de suite après, la réponse à notre question. A tout de suite. Qui veut gagner des millions pour Reporters sans frontières avec Laurence et Arthur, avec cette question qui nous pose problème depuis quelques minutes. Ouais. On appelle raisin de mer les œufs de seiche, d'esturgeon, de sole et d'anguille. On peut vous faire une petite confidence pendant la pause de publicité. Nous nous sommes concertés les uns les autres et on dit tous sol, ici, y compris Élie, Charles. Mais c'est facile de le dire en la pause. Vous n'êtes pas là non plus. Puis ouais. Donc tout le monde dit sol. Mais il faut me contrarier, lui, il faut reconnaître que Pierre, tout à trac, a dit sèche. Dès que vous avez posé la question. Oui, ouais, mais il faut faire attention, c'est un garçon sensible. Hein. Ouais. Il ne faut pas trop lui mettre la pression. Il n'était peut-être pas bien aujourd'hui, enfin un truc comme ça, on ne sait pas. Hein. Alors que Laurence avait un spécialiste, rappelons-le. Ah bah de la sèche, oui. Ah bah ça va être de ma faute maintenant. Ouais, moi j'avais un spécialiste de l'esturgeon. C'est vraiment, c'est dommage. Bah écoutez. Les raisins de mer, ce sont des œufs. Oui, d'accord, De mer, c'est dans la mer. Oui, mais des œufs de quoi? Ce sont des œufs de sèche. Évidemment. Les œufs de sol aussi, c'est bien. Attendez. Sous forme de grappe. Mais c'est ce que j'ai dit, grappe, à un moment. Voilà, à un moment. Et je vous ai dit, hein, Pierre, quand il dit, c'est sûr. Oui. Bravo Pierre. C'est un garçon sûr de le remercier. Bravo Pierre. Bravo Pierre. Hein. Eh bien, alors, vous avez 100 000 euros. On s'en va maintenant. Moi, je suis trop fatigué. Il vous reste 3 questions et votre immense. Ah oui. Eh bien, ça y est, au revoir. Attendez, je vous pose la question. Si vous connaissez la réponse à 150, on ne sait jamais. Vous prendrez la décision après. Il n'y a plus de joker, on s'est fait. Mais vous avez une immense culture personnelle. Tu parles. Arrête. Il va nous sortir un truc là, sur Jeanne d'Arc. Là. Un truc pas possible. Est-ce que le 13 vous porte chance d'habitude? Toujours. Voici la question 13. Toujours. C'est qui elle? Combien la reine Marie Ledzinska a-t-elle eu d'enfants avec Louis XV? Quand même ça, assez facile. Assez facile. Combien elle avait doigts de pied? Non, rien, moi. 4, 6, 8, 10. Alors, je voudrais dire à cette dame qu'il ne faut pas qu'elle se vexe. Mais je elle la connais pas. Bien, hein, elle est plus très fraîche. Mais hein. De là où elle est. Oui. Non. Je ne sais même pas d'où elle sort. Moi, je ne veux pas répondre à ça. Attendez, il y a peut-être un truc mathématique. Vous pouvez répondre. Ou pas. Ou me dire, nous partons, ma femme et moi, avec 100 000 euros. Pour Reporters sans frontières. Si on paume là, on redescend à 48 000. Reporters, ça va, Reporters sans frontières, ils sont contents. 100 000 euros, c'est 655 000 francs. Ça, je n'ai aucune idée. D'ailleurs, ça peut être rien. Si tu le sais pas, tu le sais pas, ça. Ben, elle a l'air d'avoir eu beaucoup d'enfants, elle. Au minimum 4. Bah oui. Moi, je dirais 10, moi. Mais comme ça, on répond pas. On discute, on est bien. On boit un coup. On vient de terminer la bonne réponse sur la sèche. On est encore sous le coup. Moi, je dirais 10. Élie a la réponse, mais il est fâché avec moi depuis que tu l'as quitté. Ah ! C'est le nombre d'enfants que tu aurais pu lui faire. Ne prenez pas de risque. Hein. Non. Parce que là, ce serait tombé de 100 000 à 48 000. Moi, je ne réponds pas. Non, mais c'est comme non, ça pour voir. Non, mais parce que tu vas dire un truc, après tu dis, oh, ben non, on va jouer. Non, on ne joue pas. Non. Non, on joue pas. On peut appeler Pierre? Non. On peut appeler François, parce qu'on ne l'a pas appelé. Non plus. Ah bon, Et le public, non plus? Non, je ne le ferai pas. Alors, que faites-vous? Je ne répondrai pas à ça. D'accord, mais... On part avec... On offre les 100 000 euros. Je trouve. Là, c'était une question à 150 000, quand même. Ouais. 4, ouais, ça ne sert à rien. 6, 8, 6, 14, Louis 15. C'est vrai que c'était plus facile avec les... C'est une manière de compter. Louis 15 avait 14 enfants. C'était plus facile avec les doigts de Mickey. Et Marie... Oh, ben merci de nous faire le remarquer, Non, mais je dis parce qu'avec 4, 6... Ouais, voilà. J'aurais pu vous dire combien elle avait de doigts dans chaque main. Hein.
Marie, les quoi, les Suska? Oh. Oh non, quand même. Mais elle était connue, elle. Oui, c'est assez. Oui, assez. Oui, cassé, elle était pas mal. Ouais, assez, très, très, oui. Très connue. Oui, oui, oh, 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 là, bah, tu as le oh, là, bah, renommée, poste, mais, moi... Elle avait une bonne place. Hein, là. C'est pour elle que Johnny l'a chanté au mari? Pas du tout. Non, du tout, non. Ah, elle était à oh, Marie, non. Les Siniska. Combien t'as eu d'enfants avec Louis XV? Non, Marie. Niniska, moi j'aurais dit, elle a une tête à voir. Louis XV, c'était un gros lapin. Hein. C'est Uchaud. Je suis allé au musée gros... Gréva, il était ah. en caleçon. Et alors, oui. Et bah, on sentait qu'il avait du... Irrépondant. Il avait de quoi faire. Bon, tu... je te laisse, moi je rentre. Mais tant que t'as la main sur t'as ma cuisse... T'as l'été de la voiture Non, mais tu peux... Je veux dire, c'est... Ça... Bon, alors, on va certainement s'arrêter, on oui, réfléchit, hein, on va faire une réunion. Oui, oui. Mais moi, j'aurais dit on 10 comme minutes. Ça pour la rigolade. Voilà. J'aurais mis 10. J'aurais mis 8 pour la rigolade, moi. On ah, 8, répond 10, pas. D'accord. On répond mais pas. Est-ce que vous partez? Oui. Est-ce que c'est votre dernier? On va oui. pas prendre de risque. Non, non, non. C'est cet argent va à une association, donc... Non, pas de risque. On est bien content d'être arrivé là. D'ailleurs, 100 000, c'est pas ce qu'ont fait les autres. C'est pas avec Monsieur Semoun que tu as fait 100 000 la dernière fois. C'est à 48 000 on part. C'est votre dernier oui. mot. Ouais, ouais, on se barre. Eh bien, bravo, 100 000 euros. Bravo. 100 000 euros pour Reporters sans frontières. J'aurais dit 10. Combien la reine a-t-elle eu d'enfants avec Louis XV? Moi, j'aurais dit 10. Vous auriez dit 10. Moi, j'aurais dit 8. Moi. Alors, on va afficher 10. Eh bien, si c'est la bonne réponse, oui. je peux avoir une réaction très violente. Oui. Envers qui? Envers vous. Envers vous. Bah, oui. Et j'ai sous-pesé le poids de l'ordinateur. Oui. Et il faut prévenir la maquilleuse pour la bosse. Oui. D'accord. Si c'est 10 sur alors, la vie je de voudrais, Marie s'il vous plaît, demander un ordinateur de remplacement. Une maquilleuse avec de l'arnica, car la réponse, c'est 10 oh pas la tête. Pas la tête. Vas-y, t'appelais. Pas la tête. Quelle culture. Non mais, quelle si culture. Si je puis me permettre. Quand je pense qu'elle n'avait pas confiance en vous. Mais elle n'a jamais confiance en moi. Je ne sais pas ce que je suis avec elle. Non mais juste... Pour oui. la petite histoire, la oui. dernière fois, vous m'avez fait le même coup. Moi oui. avec Bethlehem, j'avais la bonne réponse à 150 000. Ah oui, la maison. Fois, à chaque fois, j'ai la bonne réponse et vous me faites faut porter une association. Ouais. Alors, vous nous c'est faites, vrai, vous nous faites culpabiliser à voilà. mort. À on mort. Dit oui, ça va une association. Moi, j'ai une intuition. Oui. Moi, vous êtes habitué. Je ne connais pas sorte. Cette dame, mais je pense qu'elle en a eu des enfants. Je vous dis 10, tout le monde dit pour une bourrise prendre. Vous c'est regardez avec vos petits yeux sols. Comme c'est ça comme là. Vos yeux de sèche. En grappe. Et voilà le résultat. En tout cas, bravo. En tout cas, bravo à vous deux. 100 000 euros pour Reporters sans frontières. Félicitations. Merci.